Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour le mois de janvier 2021. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Merci pour les partages que vous faites, les commentaires que vous laissez, les j'aime que vous me laissez. Continuez de commenter sur toutes mes vidéos et si vous avez besoin de moi, you know, vous savez, gain ou réservé. Lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi, just please give me a reading from Aquarius for January 2021. Thank you so much. Please give me a reading from Aquarius for January 2021. Les Verseaux, c'est à partir d'où on a ici quelqu'un qui vous espionne. On a ici quelqu'un qui vous regarde. On a ici quelqu'un qui... On a ici quelqu'un qui cherche à prendre des informations sur vous. Pour d'autres, c'est peut-être la police, d'accord? Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui veut s'informer sur vous. Pour d'autres, si vous êtes ici dans une relation triangulaire ou si vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne avec qui vous êtes en couple peut-être a un ex ou une ex qui veut le récupérer, la récupérer. Il est probable que vous êtes ici espionné par l'ex d'une personne. On a ici quelqu'un qui est en colère, peut-être parce que vous êtes ici en couple avec la femme qu'il désire ou encore avec l'homme qu'elle désire. Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est beaucoup plus profond que ça. Il est probable qu'on a ici deux personnes qui sont en couple et des deux côtés se trouvent des ex. Donc, on a l'homme qui a son ex, la femme qui a son ex. Donc, on a des deux côtés des ex qui espionnent, you know, le nouveau partenaire de l'autre. Et il y a une intense jalousie qui est en train de se créer autour d'un couple. Pour nos parties, donc on a ici même quelqu'un qui essaye de faire des consultations sur votre couple. On a ici quelqu'un qui essaye de trouver le moyen pour vous séparer de quelqu'un. On a ici quelqu'un qui essaye de trouver le moyen pour ne pas permettre qu'un couple ici puisse se former. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui prépare un mauvais coup, un coup machiavélique, afin de briser l'union que vous avez avec un partenaire. Faites attention au 7 janvier pour certains. Pour d'autres, faites attention au 14. Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà divinatrice. Mais je vois ici quelqu'un qui peut-être essaye de faire un coup à une divinatrice, une spirituelle, ou something like that. On a les anges qui veulent qu'une personne fasse attention. Parce qu'on a ici quelqu'un qui risque de se brûler avec son propre feu. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je vois un poulet mort.
Bon, on est ici dans une situation où cette personne-là qui vous envie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose dans le passé pour vous séparer d'une personne. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut essayer une deuxième fois, avec la même méthode, pour vous séparer d'une personne. On a ici les anges qui me disent que ça ne va pas marcher parce que ce qui est pour vous est pour vous. On a la jalousie d'une personne qui ne va arriver nulle part. On a les menaces d'une personne qui ne vont arriver nulle part. Bien au contraire, on a ici les anges qui me disent que... Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes ici une femme et que, c'est l'ex-femme peut-être de votre partenaire qui essaye de faire quelque chose, elle risque d'essayer de passer par l'art de la manipulation pour obliger votre partenaire peut-être à rompre avec vous, encore pour faire quelque chose. Mais on a ici les anges qui me disent que tout ce qui va sortir de la bouche de cette femme risque d'énerver votre partenaire encore plus. Ça me rappelle la vidéo des... Quoi, ça me rappelle la vidéo des béliers? Soit c'est la vidéo des béliers, soit c'est la vidéo des lions. D'accord? Mais je crois que c'est la vidéo des béliers. Il y a une vidéo où j'avais dit que plusieurs personnes ont toujours essayé de faire des trucs sur vous spirituellement. Et aujourd'hui, vous avez été libéré par Dieu lui-même. D'accord? Et parce qu'on a Dieu qui a aujourd'hui sa main sur une relation, un couple que vous avez formé avec une personne, on a ce même ennemi-là, spirituel, qui est toujours aux aguets, qui essaye encore de venir dévorer votre bénédiction, qui risque de se faire mal, parce que Dieu vous a déjà délivré lui-même. So, pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où on a, je vois, je sais pas pourquoi je vois une femme essayer de manipuler un homme mentalement, en lui disant des trucs, si tu fais pas ci, je vais faire ceci. Si tu ne te comportes pas comme ça, je vais faire ceci. Ou encore, si c'est quelqu'un qui a un enfant avec une personne, on a ici quelqu'un qui risque de dire au père de l'enfant, tu dis genre, si tu ne romps pas avec elle, tu ne verras plus ton enfant, tu ne verras plus ton fils. Something like that. Et on a ici les anges qui ne veulent même pas que vous vous inquiétez. On a ici les anges qui veulent que vous vous asseyez comme une reine. C'est même pas comme une princesse, comme une reine. Ça me rappelle le son de Dadju. Hey, Dadju, c'est quand je vais m'appeler. Ça me rappelle le son de Dadju. Oui, il a dit, c'est quoi sa chanson? Oh, c'est quoi la chanson de Dadju là? Les paroles sont importantes pour moi, pour mon message. T'élever au rang de reine. Laisse-moi t'élever au rang de reine. C'est tout ce que j'entends. J'ai oublié la chanson, mais je vais écouter tout à l'heure. Je vous invite même à aller écouter. D'accord? Dans la chanson de Dadju dit, je vais t'élever au rang de reine. So, pour une partie d'entre vous, vous êtes dans une situation où on a déjà un homme qui veut vous élever au rang de reine. Il a déjà décidé que c'est vous sa femme. OK? Il a déjà décidé qu'il va vous épouser. Personne ne peut venir vous enlever ce qui vous appartient déjà. Et on a donc ici une personne, un énergumène autour, qui va maintenant essayer de faire des menaces, de faire des trucs pour ne pas que cet homme-là vous épouse. On a ici les anges qui me disent, continuez de vous asseoir comme une reine et observez. Parce qu'on a par contre les menaces qu'une femme risque de lancer à un homme qui vont devenir, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, donc c'est peut-être aussi un homme qui va lancer des menaces à une femme, d'accord? But, on a ici donc les menaces qu'une femme va lancer à un homme qui vont par contre créer elle-même sa propre tombe, entre griffes, quoi, pas vraie tombe, mais genre créer elle-même sa propre tombe sur ses propres problèmes. On a ici une femme à cause de certaines choses qu'elle va dire, elle va carrément énerver votre partenaire dans un sens où il va dire, écoute, j'en ai ma claque de toi, je veux le divorce. Et si tu veux, par exemple, m'enlever mon enfant, machin, machin, on se retrouve à la cour de justice. Parce qu'on a ici quelqu'un qui ne tolérera plus d'être manipulé par une personne. Et on a ici quelqu'un qui veut vous élever au rang de reine. Je continue cette lecture sur Vimeo.
On va rentrer dans plein de détails. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a les poissons, scorpions. Bisous, bye.